Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Charlieu, sur les bords du Sornin, dans le cadre d'une opération de ramassage de déchets qui s'inscrit dans le cadre de l'opération NatureNet. Bonjour les enfants. Le projet NatureNet est un projet qui part du principe et du constat que nous sommes tous générateurs de déchets. Et comme on est tous générateurs de cette pollution, on est tous aussi potentiellement des ramasseurs de cette pollution. Les trois principaux arguments qui nous ont tout de suite séduits dans le projet NatureNet, c'est que premièrement, Charlieu est déjà très engagé dans les actions environnementales. Deuxièmement, il s'agit d'un projet participatif. Et nous pensons que la meilleure façon de défendre l'environnement, c'est justement d'aller vers ces projets participatifs, de partager ensemble avec nos administrés, mais aussi, en l'occurrence, avec nos écoles. Enfin, les sacs qui sont offerts sont fabriqués à Charlieu par une entreprise charliandine, les tissages de Charlieu, en matière 100% recyclée. Et la première entreprise qui a accompagné Vincent Garnier dans ce beau projet est elle aussi une entreprise charliandine, Moncorgé, créateur de jardins. En tant qu'entrepreneur du paysage, ça me parle, nettoyer la nature, ça me parle évidemment. Et puis ça me parle aussi parce qu'en tant que papa, j'ai souvenir d'avoir vu mes enfants nettoyer la nature, mais avec des kits en plastique, des sacs en plastique, des chasubles en plastique. Et donc dans mon esprit, il y a quelque chose qui ne collait pas bien. Donc moi, j'ai décidé de dire oui, je t'aide, j'aide financièrement son projet et j'associe mon image à la sienne sur les kits. Donc l'objectif de cet après-midi, c'est de pouvoir ramasser ces déchets ensemble et vous allez tous devenir, cet après-midi, des éco-citoyens. Protéger la nature. Si on pollue trop, la planète sera trop malade et après, on pourra plus manger et l'air il sera plus bon à respirer. Ça détruit notre environnement. Si on nettoie pas la planète, elle se sent mal. On peut dire comme si c'était vivant et les animaux, ils peuvent être en voie d'extinction. C'est dommage de mettre les déchets en dehors de la poubelle alors qu'elle est juste à côté. Enfin, je sais pas, mais... Je trouve qu'il faudrait en parler aux gens parce que pour les sensibiliser un peu. Il y a les adultes qui jettent et c'est nous qui ramassons, donc moi je trouve ça un petit peu injuste. C'est choquant de voir tous ces déchets parce que ils n'ont rien à faire par terre, ils peuvent être recyclés. Ils peuvent avoir une nouvelle vie. C'est important de sensibiliser les enfants à la protection de la nature et leur faire prendre conscience que si on s'y met tous, on peut avoir une nature beaucoup plus propre. Là, pour le coup, c'est l'occasion de valoriser une démarche dans un contexte local, de proximité, de montrer qu'à toute échelle, même à une petite échelle, on peut intervenir pour faire des choses intéressantes vis-à-vis de l'environnement. C'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge. On sait que les enfants, pour nous, ils vont être des futurs adultes, bien évidemment, donc on espère bien qu'ils seront des adultes responsables, citoyens, éco-citoyens, et puis on espère aussi à plus court terme qu'ils seront aussi vecteurs du message pour leurs parents de ce soir. C'est magnifique que ces jeunes y participent, et apparemment ils y participent avec beaucoup de plaisir. La nature nous aime, alors protégeons-la. Thank you.
idée du rassemblement, c'est de faire venir des jolies voitures qu'on voit pas tous les jours sur la route. Et c'est surtout de faire ça dans un cadre exceptionnel en plein centre-ville, ce qui change énormément de tous les autres rassemblements connus. On a de plus en plus de monde et de plus en plus de visiteurs, exposants, tout confondu, et ça marche très bien. On retrouve tout type de véhicules à Charlieu, des véhicules de collection qui ont déjà quelques années et des véhicules plus communs comme des véhicules bien plus rares ou même des supercars. Ça arrive vers vous, il va falloir les garer là. Là on est une quinzaine de personnes pour uniquement le placement des véhicules sur les zones d'exposition et après on est quasiment autant sur la buvette avec tous les bénévoles du CAP. On a fait du rassemblement un événement convivial parce qu'on a des jeunes passionnés qui sont là pour accueillir les exposants, qui sont là pour partager des bons moments avec tout le monde et ça plaît à énormément de gens. Ce que j'aime ici à Charlieu, c'est qu'il y a beaucoup de voitures, beaucoup de sortes, beaucoup de passionnés. Donc on revient sans hésiter. Franchement c'est cool. Les véhicules, les gens, pour l'ambiance. L'organisation elle est top. Enfin, je veux dire vraiment tout le monde est super sympa, c'est dans un beau petit village. Donc c'est génial, moi je reviendrai tout le temps, c'est obligé. J'aime bien le cadre, super sympa, l'organisation est top. Il y a toutes les générations en fait, on va dire. De voitures et de gens. Donc c'est pas mal, ça réunit. C'est très beau, très beau, très très beau rassemblement. De belles autos, beaucoup de monde. Mais c'est top, on adore. Charlieu, c'est joli. Faut reconnaître que c'est joli. Ah bah ouais, c'est classe ça. Et que ça change d'un rassemblement sur un parking du supermarché par exemple, c'est, le cadre est magnifique quoi. Le cadre est magnifique. Le fait d'être dans une ville, ça change tout en fait. C'est ça qui est agréable, c'est qu'on peut se dire bah, on peut aller boire un coup dans un bar, très important, s'hydrater. Et puis on peut regarder des belles voitures au passage. Donc voilà. Ça amène beaucoup du monde et puis en même temps les gens ils peuvent voir tout le patrimoine de Charlieu qui est excellent. Tous les commerçants, bien sûr, tout ce qui est restauration, ils sont ravis. Hein. Ils sont tous ouverts, ils sont tous blindés. Hein. Il y a tellement de monde que donc c'est super pour Charlieu. On savait pas trop sur quel pied danser cette année parce qu'on n'avait pas la météo au rendez-vous. Puis au final on a passé une très belle journée, on fait un très beau résultat par rapport aux conditions climatiques et on en est extrêmement satisfait. Ont lieu le premier week-end de juillet. Il permet de lancer la saison estivale sur Charlieu et ses alentours. Les férues, c'est la fête, on a besoin de fêtes. Chalondins, chalondines et gens du monde entier, bienvenue! J'ai été aux férues 2023! Heureux effectivement de cette connexion sincère de gens qui ont décidé d'œuvrer pour un beau projet collectif. Je trouve que c'est un moment rare, complexe et précieux. C'est une utopie, les férues, et j'ai la faiblesse de croire qu'elle réussit.
ensemble, sincèrement, tranquillement, est une chose essentielle qui, dans cette époque un peu crispée, fait carrément du bien, fait carrément du bien. On en a faim, on a besoin de ça. Cette année, on peut affirmer que ces fêtes 2023 sont bien plus que jamais les fêtes de la soirée. Mise à prix 100 euros. Merci à vous tous. Très heureux d'être parmi vous une fois de plus. Merci, merci, merci. Mais tellement du fond du cœur, vous êtes vraiment nos petites lumières dans la nuit et surtout notre rayon de soleil aujourd'hui. Alors faites la fête. Les enfants aiment qu'on fasse la fête. Ma fille a dit que c'est la mise en lumière de la maladie pour la faire disparaître, ce Téléthon. Donc amusez-vous.